Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Chu Can Do It. Donc, je vais tout de suite lancer l'enregistrement. C'est bon. Du coup, c'est l'épisode 28 de mémoire. Et on ne sait pas trop ce qui va se passer. Déjà, elle a l'air d'être sur un bateau. Voilà, bon là on a une bague et un diamant, mais bon, voilà, c'est bon. Maintenant c'est les sous-titres. Mais bon, on va voir un peu ce qui se passe au niveau de cet épisode. Ouais, je suis désolé, c'est comme d'habitude, hein, ça. Il bug un peu. On va essayer de le débrancher, on verra si ça bug un peu moins. Vivant un enfant. Ah,
붓기 다 풀린 것 같아요. 데뷔 후부터 안 풀렸던 붓기 다 풀렸네요. 마사지 다 하셨으니까 다음 방송으로 운동을 할까요? 하고 있어요? 우와! 힘이 참나니 흐름을 해서 선물이니까 선물이 줬잖아. 이번에는 기대 한번 쓸게요. 기뻐하러 가시죠. 아니요. 그래도 저희 집 앞에 맛있는 빙수집 되게 많아요. 돼지바 빙수도 있고, 인절미 빙수도 있고, 뭐 여러 가지 파는 빙수집 짱 많아요. 한번 호텔 빙수 한번 떠들어 볼까요? 에? 네, 한번 대화하죠. 한번 제가 보고. 안녕하세요. 오, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 이렇게 찾아주셔서 감사합니다. 찾아주셔서 감사해요. 저희 보시면 시그니처 디저트 두 가지 빙수가 네. 준비가 되어 있는데요. 이번 달콤한 맛이 일종의 망고. 요거 같은 경우는 저희가 이번에 신메뉴로 출시된 누룽지를 연상케하는 파마산 치즈입니다. 와, 호텔 빙수 다르네. 호텔 빙수 좀 다르죠? 아니, 수프림 할 수 있어요. 드라이 아이스만 있으면 돼. 여러분들, 기죽지 마. 내가 갔다 올게. 빙수 양이 너무 많죠? 네. 손님 둘 중에 하나만 먹고 하나는 저희가 먹겠습니다. 왜요? 왜 둘 중 하나만 해요? 골라주세요. 어떤 거 먹고 싶습니까? 아, 고민된다. 나 도전 안 하는데 원래 쟤는 도전해보고 싶게 생겼네. 얼굴이 좋아 아니요? 아니요. 얘 얼굴이에요? 얘 할래요. 이제 먹어요. 잘 먹겠습니다. 치즈는 빼겠습니다. 아니 치즈를 먹네요. 그거는 빼겠습니다. 아, 선생님. 아, 먹을게요. 잘 먹겠습니다. 망고 괜히 줬어. 너무 맛있어, 망고. 어? 감사해요. 치즈도 먹어볼게요. 치즈. 맛있다. 안 굽을 잘할까. 다이어트 중인데 진짜 멈출 수가 없네. 너무 맛있어. 너 이틀 뒤에 공연해야 돼. 그만 먹어. 네. 근데 비싸면 저는 안 사 먹을 것 같아요. 얼마일 것 같아요? 비싼 돈 내고 먹으면 한 15만원? 맞아요? 알? 잘 먹었어요. 감사합니다. 42, je sais même pas combien ça fait en.
Il y a vraiment un truc qui s'appelle le Nutella Academy, putain. Voilà pour cette vidéo, c'était plutôt sympa. Donc du coup ils considéreraient pas tous les épisodes là comme une saison 2. Je sais pas comment ils appellent ça là, une sorte de off là. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses autour de l'environnement pendant les derniers épisodes, donc c'est peut-être pour ça qu'ils considèrent pas ça comme une saison 2. Et du coup, la vraie question que je me pose, c'est est-ce que la saison 2 va reprendre dès la semaine prochaine ? Parce que là, quand ils avaient terminé la saison 1,
et qui sont passés à la saison off, là, comme ils disent, je crois que ça a repris quasiment aussitôt. Je crois qu'il n'y a pas eu de pause. Moi, je m'attendais à ce qu'il y ait une pause. En fait, non, ça a repris direct aussitôt la semaine d'après. Parce que forcément, c'est des trucs qui sont tournés à l'avance et mis en ligne, quoi. Et du coup, là, je me demande si... Si du coup, oui, la semaine prochaine, du coup, on aura le premier épisode de la saison 2, du coup, qui sera l'épisode 29. Ou est-ce que on aura de l'attente avant que ça reprenne? Donc voilà, c'est une question que je me pose. Voilà, après, qu'est-ce qu'il y a à dire de plus, à part que c'était sympa, c'est reposant. Que Chou mérite hein, de recevoir tout ça, après ce qu'elle a fait. Et du coup, j'aime beaucoup ses réactions, parce que c'est un truc qu'on ne verrait jamais, jamais en France. En France, les artistes sont beaucoup trop égoïstes. Voilà, surtout ceux qui font, qui se donnent un faux semblant d'humanité. Alors, tous ceux qui participent au Resto du Cœur sont vraiment les pires artistes de France. Vraiment, parce que en réalité, ils sont tous en train de se tirer dans les pattes parce que il y en a qui vont être mieux payés que d'autres parce qu'ils ont plus de popularité ou parce que tel chanteur a pu faire la promo de son nouvel album et pas l'autre. Voilà, entre certains qui quittent les Restos du Cœur parce que oui, là maintenant vous avez embauché un tennisman ou un footballeur, du coup j'ai pas envie d'être associé avec ces gens-là parce qu'ils les supportent pas. Alors que le but des Restos du Cœur de base c'est quand même de faire de la charité pour les gens pauvres du pays, quoi. Vraiment, c'est. Les artistes français, c'est une catastrophe. Hein. Vraiment, je déteste les artistes français. Et du coup, voir des gens comme ça, comme Chou, vraiment, ça fait du bien de voir que des gens comme ça, ça existe. Parce que nous, en France, on est clairement mal servis avec nos stars. Mais voilà, et si je voulais dire un truc, c'est que, ça n'a rien à voir avec la vidéo, mais que les Luna, il y a quelques jours, ont pu reprendre leurs activités. Parce que je l'avais dit dans une vidéo de Chou, je crois... il y a une ou deux semaines qu'elles avaient dû être mises en quarantaine parce que quelqu'un du staff avait été testé positif au Covid. Et du coup, là, il y a quelques jours, du coup, elles ont pu reprendre leurs activités parce que, la personne va mieux. Et puis, eux, ils ont toujours été testés négatifs. Et voilà. Donc là, tout va bien. Elles peuvent enfin reprendre leurs activités. Après, malheureusement, avec un trou d'une dizaine de jours... Bon, ça leur fera pas gagner plus de prix. Je pense que malheureusement, elles n'auront qu'un seul prix pour Paint the Town. Mais voilà. Et après, ce que j'aimerais, c'est qu'elles nous sortent enfin une danse practice. Parce que je crois qu'on n'a toujours pas de danse practice des Luna. C'est voilà. Là, je me dis, Twice a sorti hier une danse practice de Perfect World de au moins 2-3 semaines après le titre. Donc... c'était pareil un peu pareil pour Alcohol Free. Toi, ça avait sorti une danse practice au moins 2 semaines après sur sa chaîne YouTube. Donc je me dis peut-être qu'on va peut-être avoir avec les Luna une danse practice un retardement. Ce serait pas mal parce que je déteste les performances live. Donc enfin, je peux en regarder, mais c'est un truc que je trouve ultra désagréable à regarder. Donc j'ai vraiment envie qu'on ait une danse practice, quoi, parce que c'est quand même un peu dommage. La danse, elle a l'air géniale. Et on n'a rien pour la voir vraiment de manière nickel, voilà. Parce que je vous ai déjà dit il y a une ou deux semaines que je ferai une vidéo sur les lives. Donc je pense que je la ferai au mois d'août. Mais vraiment, je trouve que c'est une catastrophe, ces trucs-là. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Et puis on va tous remercier Chou hein, pour ses vidéos. Parce que si elle ne les faisait pas, ces vidéos-là n'existeraient pas, hein, tout simplement. Donc, je ne sais pas trop si des gens aiment vraiment bien les vidéos autour de Chou. Moi, je sais que j'adore ça. Je sais que les fans des Luna, il y en a certains que je vois sur Facebook et tout, qui aiment bien ça également. Donc, autant qu'on la remercie tous ensemble pour son travail, les bonnes vidéos qu'elle nous donne. Et puis, hâte de voir la saison 2 des Chou Can Do It. Allez, salut les anacalypsiens.